Je m'appelle Mathilde et je suis diététicienne à l'hôpital de Coutances depuis 20 ans. Mon métier à l'hôpital, c'est de prendre en charge les patients hospitalisés, quelques patients en consultation externe dans un parcours de soins défini, pour pouvoir adapter leur alimentation selon leur état de santé. J'interviens auprès de patients qui sont dans le service de rééducation, en médecine 1, médecine 2 et au cours séjour gériatrique. Pour être diététicien, il faut avoir soit le BTS diététique, soit le BUT diététique. Beaucoup de patients sont des personnes âgées, donc beaucoup dénutries, j'ai aussi quelques diabètes et dyslipidémie. J'interviens auprès des patients à la demande du médecin. Lorsque je rencontre le patient, on va discuter de son appétit du moment, de l'objectif nutritionnel par rapport à son objectif de santé, de ses habitudes alimentaires et on va échanger ensemble et négocier sur ce que je vais pouvoir mettre en place pour lui à l'hôpital. Sur son plateau repas. Donc il y a le travail que je fais auprès du patient au moment de son hospitalisation avec les repas que nous fournissent la cuisine. Et après, il y a un temps d'éducation ou de conseil pour le domicile en s'adaptant au quotidien, au goût et à la capacité des patients pour se faire à manger. Je suis aussi amenée à travailler avec les aidants, les conjoints, les enfants, puisque beaucoup de ces personnes qui sont âgées sont dépendants et ne sont plus en capacité de faire leurs courses ou de préparer leur repas. Donc il faut pouvoir communiquer et s'entretenir avec les personnes qui ont la charge du repas à la maison. Ce qui est plaisant dans ce travail à l'hôpital, c'est à la fois d'apporter notre aide aux patients, mais aussi notre contribution à l'équipe soignante. Je vais aussi beaucoup travailler avec l'ergothérapeute, les kinés, évidemment infirmiers et soignantes, et surtout l'intendante du service qui est en charge de la commande des repas. Et il y a vraiment un échange avec tous ces professionnels pour adapter au mieux l'alimentation et puis comprendre ce que le patient va pouvoir manger et comment je vais pouvoir m'adapter. Être diététicien, c'est aussi être beaucoup à l'écoute, respecter la différence et les habitudes et les goûts de chacun, et pouvoir motiver et trouver les leviers pour que les gens acceptent de changer leurs habitudes alimentaires. Il faut savoir aussi accepter de ne pas faire les choses parfaitement comme on les a appris ou comme on aimerait, et de pouvoir laisser le patient aussi faire à sa façon, de lui laisser le temps de découvrir que manger le soir un peu plus, c'est bon pour lui et on va trouver des solutions ensemble. Je pense avoir une personnalité qui va respecter le fait qu'ils n'aient pas envie et qu'ils n'aiment pas ou qu'ils ne veulent pas. Je les rassure, c'est quelque chose qui me permet d'avoir l'adhésion et la confiance du patient.